Bonsoir et bienvenue sur Gamelove. Alors bonsoir pourquoi? Tout simplement parce qu'il est minuit passé de 6 minutes et que je me trouve devant les locaux de Gamelove pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais tester pour vous le dernier jeu d'horreur qui est sorti tout récemment sur PlayStation 4 qui s'appelle The Evil Within. Et donc mes collègues et mon cher patron n'ont rien trouvé de mieux que de m'obliger à venir aux locaux à minuit seul pour y jouer dans le noir pour votre plus grand plaisir et pas pour le mien. Donc, je vais pas perdre de temps et je vais y aller. Il y a déjà de la lumière. Non, c'est cool. D'accord, donc ils ont déjà tout laissé allumer. Ok. Quelle bande d'enfants. J'ai même un petit mot. Génial, alors j'espère qu'on y verra quelque chose parce qu'avec cette caméra, c'est pas gagné. Cher Kevin, la caméra tourne déjà. Effectivement. Si comme convenu tu arrives bien à minuit, tu devrais avoir assez d'espace disponible pour une bonne session. Tu n'as donc plus qu'à mettre le jeu, lancer la capture et flipper ta race. Bon courage. PS. Dernière obligation, tu dois mettre le casque sur les oreilles. Enjoy. Les enculés, sans déconner. Putain, mais. J'ai vraiment un métier compliqué, moi je vous le dis. Eh ben, du coup, j'arrête de filmer avec celle-là. Pour pouvoir reprendre le direct live en face de moi. Je sais vraiment pas ce que je fous là. Mais on pourra pas dire que je joue pas le jeu. Je suis dans le noir, je mets le casque. Et je vais jouer à The Evil Within. Oh putain, ça me merde. C'est exactement le genre de jeu que je supporte pas, quoi. Bon, et ben c'est parti, nous voilà dans l'ambiance un petit peu glauque, hein, très sombre, un peu dérangeante, j'ai envie de dire. Ça a l'air Il y a comme chingué, une déjà. odeur de sang. Ok, fais gaffe. Et moi, j'ai pas le droit de sortir en flingue aussi. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Donc, on est dans un hôpital psychiatrique, apparemment. L'hôpital psychiatrique de Bacon. Tu as entendu? Un peu, j'ai entendu. J'ai un casque sur les oreilles, je te le rappelle. Oh putain, j'aime pas ça. Un survivant. Oh. Putain, je l'ai perdu de vue, j'ai fait le mongol. Ouais, ça commence. Ça va pas me plaire du tout, cette histoire. Oh putain, j'ai pas regardé où il allait. C'est lui, là? Ouais. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Possible. Reviquer. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Il y a un peu de tense là, notre personnage. Mets-toi le fion. C'est pesant quand même, l'atmosphère est sacrément pesante. Avec le casque, j'avoue qu'à mon avis, sans casque, faire pivoter la caméra, le rendu doit être quand même vachement moins bon. Alors, on sait pas ce qui se passe, mais il y a un mec qui est en train de se faire éclater à côté. D'accord, sympa. C'est vraiment dégueulasse. Et là, on va se balancer. Bien. Voilà.
Et voilà. Bon, je pense qu'on va aller le dégommer. Hein. Ouais, je vais le laisser se barrer quand même. On entend les bruits et tout. Ah, clé ordinaire. Porte-clé trouvée. Ok, ouais, je fais quoi avec cette clé de merde? Putain, regarde bien. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Barre-toi vite! Oh putain! Mais c'est quoi? Oh putain. Très bien. Mais c'est où qu'il faut que j'aille là? Eh ben voilà! Oh, tu fous de la gueule! Choqué. Bonjour monsieur, faudrait un rhum steak s'il vous plaît. Et si tu te manies un peu le fion, le mec, non, il est peinard. Et encore! Plante, 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 plante! Plante! Mais connard! Je crois qu'on peut pas l'aider. Pire que jamais. Le pire joueur des survival horror que la Terre ait jamais porté. Travaille chez Gamelove. Ça ne sert à rien, s'il y avait une porte. Et notre ami. On va commencer par s'en déconner. Allez! Bien, il se met à courir! Oh, putain, en fait, pour qu'est-ce que je fous là, sans déconner? Donc je vais pas très vite et je vais me faire éclater. Non, c'est bon. Je pensais que je m'étais fait couper les jambes, mais non. En même temps, ça aurait été un peu con de finir l'aventure en fauteuil roulant directement. Après l'avoir débuté, on voit vraiment que dalle, c'est une horreur. On sent bien l'effet, la touche Resident Evil quand même. Toujours pas d'armes. Et c'est tellement calme que je sais très bien qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule. Eh ben c'est tout de suite. Quoi maintenir? Ouais, et alors? C'est cool, j'ai oh, c'est... Il va arriver par la porte, il va me dégommer. R1, 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 R1! Et je te l'aime dans le connard! Je suis rentré, t'as plus le droit. T'as pas le droit, putain, je suis pas, je sais pas. Bon, ben là, il est là. Oh putain, sans me déconner. Point de contrôle. Ouf. Qu'est-ce qu'il a fait, ce couillon? Bon, je vais aller voir. Hein. Faut pas qu'il me voie. Non, devine. En fait, c'est le mec qui dégomme tout, sauf le placard où tu squattes. Je prends des risques. Ah, mais c'est dégueulasse, ça va être... Je dois faire de ses gueules. Faut pas qu'il me voie. Merde. Bah ouais, merde.
Cours, petit! Non, non! Merde. Comment le pouvoir là? Non, 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 non. Ah bien! Très très bien! Merde. Ah non, non, mais non! Et s'il est très con, je peux peut-être pas recacher sous un lit? Il est très con, on va dire qu'il est très con. Oui, allez, allez! Ah non, je suis pas si con que ça! Ah ah! Non! Boite aussi vite que tu peux, Sébastien! Allez, jusqu'au checkpoint suivant. Bien, esquive! Ah non, là il y a un mur. Merde! Et c'est reparti pour une course intrépide! Hop là! Loupé, mec! Hop, hop, hop! 4 deb! Peut-être. Putain! Il ouvre les portes ou pas, ce con? Point de contrôle! Chapitre 1 terminé. Dégueulasse, des cafards partout. Je suppose qu'il va y avoir une vieille tête dégueu qui va sortir, qui va me faire flipper de quelque part. Putain de sa mère, je le savais! C'est qu'une infirmière. Ça sent le médicament. Il a de l'odorat, le mec, hein, quand même. Ça sent le sang, ça sent le médicament. Mais là, cette chaise avec une perf, ça sent la merde. Genevers vous aidera à améliorer chacune de vos attitudes. Débloquer 100 points nécessaires, améliorer. En avant. Est-ce que je deviens dingue? On va mettre vivre dans tous les sens. Et là, j'ai perdu la vue. Et nous voilà dehors. Si je prenais le chemin éclairé. Voilà. Putain, ça m'a fait peur. Bien. Petite lumière. Mais quel couillon. À mon avis, lui, il est en train de bouffer un copain. Tout juste. Mais alors. Oh putain, alors ça me rappelle un traumatisme bâtard. Tu es ou pas? On n'est jamais trop prudent. Enfoiré! Tiens! Je vais t'apprendre à manger tes potes, moi. Ça se fait pas! On va s'appliquer, on va lui en mettre juste une. Et ça sert à rien. Ah mais merde, c'est Leslie. Excuse Leslie. Ça fait mal, ça fait mal. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah bien. Enflammer. Approchez-vous d'un ennemi au sol et utilisez une allumette pour l'enflammer et le réduire en cendres. Si les ennemis sont suffisamment proches, vous pouvez tous les brûler avec une seule allumette. Et on l'enflamme. Ça flambe plutôt bien. Je vais arrêter de tirer de loin comme ça, je vais me rapprocher un peu quand même parce que je fais le bébé tout à l'heure. Oh. Putain de merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, mais là il... Oui, 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 oui.
j'avais pas vu. Oh, bordel de merde. Mais non, mais chaque fois je vais faire ça là. Si je passe là-bas sur le bord, ils vont me voir ou pas? Bah bien sûr, c'était pas un peu con ce que j'ai fait là. Oh, quel connard. Oh putain, je me déteste. Allez, trans. Putain, ça me met mal, ça me met mal. Bien. C'est pas vrai. Voilà. Et bah très bien, le chapitre 2 se sera déroulé un peu plus facilement que le premier, j'ai l'impression. Et nous entamons donc le chapitre 3. J'ai rien passé dans le... Putain ! C'est un corbeau. Qu'est-ce que c'est sombre ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok ! Plus le jeu avance et moins je suis bavard, donc c'est juste que je me concentre un petit peu pour pouvoir... pour ne pouvoir pas crever. Putain! Quel jeu taré, sans déconner. Premier jour en tant qu'inspecteur, ma nouvelle partenaire Mira Hansen est une vraie dure à cuire, directe. Et j'ai eu obsédé. Furtif, man. Bon, au niveau de la furtivité, on repassera. Bah, je suis pas allé de là tout à l'heure. Ah. Il faudra casser avec ton flingue, voilà. Prends, hop, tu regardes. Tu recharges, ténard. Ténard, il a un masque. Enculé, il me reste plus qu'une balle. Putain, c'est stressant! J'en ai plein le fion! Ou une arbalète. Ouah, ça va chier. Oh, un fusil à pompe, putain, mais c'est génial! Ça va me changer la vie, tout ça. Oups. Elle peut rentrer ou pas? Elle peut rentrer! Ah. Oh, je vais me faire, mais alors sévère lui. Tiens! Cette grenade à manche est une relique du siècle dernier. On ignore comment elle a pu atterrir dans les mains du particulier. Ah, putain de sarrasse. Oh, je vais crever. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Non, c'est pas possible qu'il me fasse muter l'autre taré. Non. De grenade. Et là, parce que ça donne. Voilà, ouais, ça. Il est mort. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? J'aime pas ça. Pourquoi il y a de la musique de ouf là? Ah putain, mais oh, ils peuvent pas prévenir.
Il sort par où, cet enfoiré? Je vais chier en moi-même, moi. Visez juste. Très bien. Non. Bon, je vais la tenter une dernière fois. Merde. Putain, je dois avoir une tête de constipé. Mais c'est pas possible d'être aussi nul. Il est scouillant. J'arrête. J'arrête. Bon, et ben voilà, moi, terminé. Je l'ai dit, j'y arrive plus. J'avance plus, ce boss, j'y arrive pas. Pas la peine de flipper plus. Il est 4h du mat, j'ai joué 4 bonnes heures. J'aurais eu de bonnes grosses frayeurs. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu. Moi, c'est l'heure d'aller me coucher. Alors, je vous souhaite une bonne nuit et à très vite. Ciao !